Bon matin tout le monde, aujourd'hui on est jeudi le 3 décembre, fait que je vais faire un petit vlog aujourd'hui. Je fais pas le vlogmas là, je pense pas que j'ai des affaires assez intéressantes pour montrer à tous les jours parce que je fais vraiment pas mal tout le temps la même affaire. Fait que la dernière fois que j'ai filmé c'est lundi, puis tu sais lundi je vous disais que samedi puis dimanche Arthur il a pas eu de colique, fait que je pensais peut-être m'en être sauvée, mais finalement non, il y en a eu lundi, mardi, mercredi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même moins pire. Oh mon dieu, t'es fatiguée. J'ai l'impression que c'est quand même moins pire. Peut-être que le Bio Gaia y aide, mais pas à 100%. Là. Tu sais, je veux dire, il y a encore un petit quelque chose. Oh, t'es sûre, toi? Non? Non. Ah, oh, peut-être. Ah, oh, peut-être. Ça commence à se tortiller un petit peu. Tu t'es-tu? Oh mon dieu, oui, tête. OK, on va faire un petit biberon, je reviens. Ouais, fait que ce que je disais par rapport au colique, c'est que aussi, c'était vraiment moins pire que la première fois. Tu sais, la première fois qu'il y a eu ces coliques, il y avait proche de 3 semaines, puis depuis sa naissance, il avait pas vraiment pleuré, tu sais. À chaque fois qu'il pleurait une petite affaire, c'était parce qu'il avait soif, je faisais boire, puis c'était fini. Mais là, quand il avait commencé, c'est quand il a commencé à faire des vrais coliques, là, ça a commencé comme à 4h30 un mercredi, puis mon chum travaillait. C'était la première semaine que mon chum a recommencé à travailler. Puis lui, il arrive de travailler à 5h30. Puis comme de 4h30 à 5h30, Arthur, il pleurait comme des hurlements, là. Tu sais, vraiment des gros pleurs intenses. Puis il n'y a rien qui fonctionnait, là. Je le berçais, je le promenais, je le faisais voir. Il n'y a absolument rien qui fonctionnait. Quand mon chum est arrivé à 5h30, là, j'étais tellement découragée. J'étais tellement à bout. Je braillais. Je pleurais. T'sais, ça me faisait tellement de la peine de le voir comme ça, là, puis de le voir avoir mal, puis d'être inconsolable, puis d'être impuissante. Fait que ça a été vraiment dur. Puis le jeudi, vendredi aussi, ça a été dur, mais mon chum, il était à la maison. Dans le fond, il a fait du télétravail ces deux journées-là. Puis de toute façon, c'est le soir, là, les coliques, là. Fait que il a été vraiment plus là pour m'aider à gérer la situation. Bon, samedi, dimanche, il n'y en a pas fait. Puis là, comme lundi, mardi, mercredi, il en a fait, mais ça durait à peu près une demi-heure à une heure, fait que déjà en partant pas mal moins long que la semaine passée. Tu sais, comme hier soir, vers 8 heures à peu près, il s'est mis comme à pleurer, mais il avait bu tout, tu sais, il avait comme rien de... Il avait aucun besoin, en fait, là. Mais là, je suis allée dans la chambre, je l'ai bercé, puis j'ai réussi à l'endormir, ça a pris peut-être 20 minutes environ. Puis après ça, il s'est endormi, il s'est réveillé 2 heures plus tard, là, vers 10 heures, il s'est réveillé. Puis après ça, il était parti pour la nuit, là. Fait que je trouve que ça a bien de l'allure, là. On dirait que c'est moins pire, on le gère mieux, puis le Bio-Gaia, il a l'air d'avoir aidé, en tout cas. J'ai mis à Arthur son petit pyjama 0-3 mois que j'ai acheté dans mon dernier vlog. Puis je pensais que le 0-3 mois, il allait être fait quand même grand, vu qu'il passe de newborn à 0-3 mois quand même. Et puis, non, c'est bien, il arrive déjà au bout du pyjama. C'est fou pareil, là. Fait que ça grandit vite ce petit bébé-là. À sa naissance, il pesait 6 livres et... Oh! Oh, un poil de chat! Il y avait un petit poil de chat sur le bout du biberon, hein? Ouais, à sa naissance, il pesait 6 livres et 8, puis en fin de semaine, on l'a pesé, puis il était rendu à 9 livres déjà. Fait que... T'as plus soif! Bon, fait que j'ai fini de faire boire Arthur, on va être rendu à la partie coupe de cheveux. Fait que je prends des petits élastiques comme ça, là. Hop là. Alors, là, je disais que je voulais à peu près cette longueur-là, je pense. Bon, ça, ce serait une belle longueur. Fait que je vais mettre mes petits élastiques. Là, dans le fond, il faut vraiment faire des petites couettes. Fait que je me mets des élastiques tout autour de la tête, là. Là, je tire sur mes élastiques pour qu'ils soient vraiment tous à la même hauteur. Comme là, vous voyez, ceux en arrière sont pas mal égales, je pense. Fait que je vais commencer par couper ceux en arrière. Là, dans le fond, je prends juste mon élastique puis je coupe au-dessus.
J'ai peut-être fait la couette un peu trop grosse. C'est comme dur à couper. Hi. Et voilà. Et de deux. Et de trois. Fait que tous mes cheveux en arrière sont coupés. Là, en avant maintenant. Fait que j'en ai coupé ouais, quand même 6 petits paquets. 6 petits paquets de cheveux. Bon, que là, il va falloir que je m'égalise un peu, là. Mais déjà, ça doit avoir de l'allure. Oh, ici, tu as eu une grosse coche. Bon, on va arranger ça, cette coche-là. J'aimerais vraiment ça que ces petits cheveux-là poussent pour que ça soit vraiment carré, carré. Mais, tu sais, c'est comme des petites couettes autour de face que je taponne tout le temps, hein, fait qu'ils pètent. Même chose pour ce côté-là. Fait que c'est pas voulu que ce soit court de même, là, ceux-là. J'aimerais ça que ça aille plus long, là, mais voilà. Bon. Ah, j'ai oublié une couette ici. C'est pas parfait, mais ça va être ça parce qu'en plus, Arthur commence à être tanné. Allô, bébé? Allô, bébé? Il est beau! Colin, t'es beau! Oh. Oh là là! Bon, ben finalement, j'ai fait boire Arthur, puis après ça, moi, j'ai pris le temps de dîner. Puis après ça, ben tu sais, il pleurait, mais comme on and off, là, on dirait qu'il filait moyen. Fait qu'on est venu dans sa chambre pour se bercer. D'ailleurs, mon fauteuil berçant, je l'ai pris chez Liquidation RD ou Meubles RD. Je pense que ça a changé de nom, là, mais en tout cas, magasin de meubles. Puis c'est ça, je voulais comme vraiment un gros fauteuil coussiné, confortable, avec des gros appuis-bras. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. On est vraiment bien dedans, puis tu sais, surtout quand il file pas la nuit, puis que je viens me bercer pendant longtemps, là, je peux même m'étendre les jambes avec ça, là, il y a comme une petite poignée sur le côté, là, pour s'étendre les jambes, puis je peux m'endormir facilement dans ce fauteuil-là. Bon, fait que là, je me lève d'une petite sieste, j'ai pris le temps de me faire un petit maquillage ben simple, puis je m'étais dit que quand j'aurais des moments un petit peu de libre là, cette semaine, j'en profiterais pour faire le ménage de mes armoires. Fait que là, j'ai ma pharmacie, j'ai mes tiroirs de salle de bain, j'ai des tiroirs, des armoires aussi dans la cuisine que je veux faire. J'en ai tout plein. Je vais commencer par l'armoire de salle de bain. Fait que ce que je vais faire, dans le fond, je vais tout vider. Je pense que ça va être plus facile. Ouais, je vais tout vider. Ceci, c'était mon petit bac pour mes aiguilles quand je faisais mon diabète de grossesse. Je vais le garder en attendant tout d'un coup que j'en ferai encore. Dans le fond, je vais être retestée en janvier à peu près. Ça ici, c'est le petit bidet portatif que c'est Alexandra Larouche qui recommandait ça là, dans sa valise d'hôpital. Et d'ailleurs, ça m'a été très, très, très utile, autant à l'hôpital que chez moi en revenant. Parce que dans le fond, si vous ne connaissez pas ça, je vais vous le montrer. Dans le fond, c'est une petite bouteille comme ça que tu remplis d'eau, que tu visses. Puis quand tu vas à la toilette, tu pèses sur
tu pèses sur la bouteille, puis il y a de l'eau qui revole. Fait que ça te, tu vas te rincer avec ça, dans le fond. Parce qu'au début, c'est, je veux dire, j'allais pas m'essuyer là, quand j'allais à la toilette, là, parce que ça faisait mal. Là. Fait que je faisais juste me rincer à l'eau. Fait que ça faisait vraiment... En plus, ça soulageait. Là, maintenant, je mettais de l'eau froide. Fait qu'avec l'inflammation, l'eau froide, ça l'aidait beaucoup. Fait que c'est la marque Freedamum. Je l'ai pris sur Amazon. C'était pas très cher, là, c'était moins de 20$. Fait que ça, c'est vraiment un gros must, je crois. Ici, j'ai des compresses d'Anamélis. Ils m'ont donné ça à l'hôpital, là, c'était pour aider pour les plaies. Mais je les ai même pas toutes utilisées, là, vu que ça a comme bien été ma guérison. Fait que je pense que je vais les jeter ça, puis voilà. Je vais peut-être garder le petit pot, là, mais je garderai pas les lingettes. Ici, mon mouche bébé que j'ai pris sur Amazon, c'est un mouche bébé électrique. Là. Ben, c'est sûr, je ne l'ai pas utilisé encore. Sauf que, mais tu sais, mon bébé, il a pas le rhume. Là. Mais quand il dort, des fois, qu'il respire, j'ai l'impression qu'il y a des sécrétions dentaires. Comme, tu sais, ça respire pas net, net. Là. Fait que je pense que je vais aller à la pharmacie chercher des seringues là, pour aller faire le rinçage à l'eau saline. En fait, je vais demander au pharmacien parce que j'ai comme lu sur Internet à plusieurs places qu'ils recommandent de faire ça avec l'eau saline. Puis plus tard le mouche bébé, mais pas pour Robin et Sam, sauf que je sais pas à partir de quel âge qu'on fait ça. Fait que ouais, ça, je vais aller demander au pharmacien. J'ai aussi le Hydrasense. Ça, par exemple, je l'ai essayé une fois à date. Là. En fait, j'ai pas réussi à utiliser ça ici parce que l'embout, là, tu sais, vous voyez quand même qu'il est gros. Là. Ben non, il est petit par rapport à mon nez, là, mais dans le nez de bébé, ça rentre pas. Mais j'ai utilisé une petite ampoule comme ça, là, parce que l'embout de la petite ampoule est vraiment petite. Puis l'autre fois, je donnais son bain, puis je voyais sur le bord de son nez qu'il y avait une petite crotte de nez. Mais là, le trou, il est tellement petit que je suis pas capable d'aller la chercher. Fait que j'étais allée envoyer de l'eau, puis j'ai réussi à la sortir juste avec ça. Voilà. Ici, comme tout le long de mon meuble, je mets toutes mes gels douche en surplus. Donc là, je vais pas toutes les sortir. Là. Aussi, cette semaine, quand j'étais à la pharmacie, mon chum il avait besoin de gels douche. Puis j'ai acheté ceux-là, comme ça, de Dove. Là. J'ai pris deux odeurs différentes. L'autre est dans la douche. Là. Puis là, avec la pompe comme ça, là, je pense qu'il va tout le temps vouloir ça. Il a vraiment aimé ça, tu sais, le fait de pas avoir à aller avec la pompe. Puis vu que ça sort déjà en mousse, ben, il a trouvé que ça l'allait vraiment bien, là. Puis j'allais essayer moi aussi, puis moi aussi, je trouve que ça va vraiment bien. Fait que, en tout cas, si jamais vous l'avez jamais essayé, ou en tout cas pour votre chum, là, celui en mousse, lui, il adore ça. Ensuite, j'ai vraiment beaucoup de sortes de pilules prénatales, puis j'en ai plein de neuves, parce que ceux-là, en jujube comme ça, ils n'ont pas de fer dedans. Puis le médecin m'avait chicané pour me dire que ça me prenait des pilules avec du fer. Fait que finalement, j'ai comme juste commencé mon premier pot. Je l'ai même pas fini. Puis les trois autres pots que j'avais prévu prendre jusqu'à la fin de ma grossesse, finalement, je les ai pas pris pour toutes. Fait que je pense que je vais les mettre à vendre sur Marketplace, dans le fond, sur neuf. Ou bien, ben tu sais, parce que c'est quand même des bonnes pilules prénatales. Là. Moi, je les ai pris quand même. C'est juste que j'alternais une journée ceux avec pas de fer, puis une journée, je prenais ceux avec fer. Donc, je pense que je pourrais les vendre quand même. Bon, j'ai une amie qui est enceinte, puis là, j'ai toutes des restants de serviettes sanitaires et des couches. Que, en fait, il n'y a rien de ça que j'ai acheté moi-même. C'est toutes des restants que des amis m'ont donné, en fait. Là. Fait que j'ai comme les restants de couches puis de serviettes sanitaires de toutes mes amies. Fait que je vais le donner à une prochaine amie qui est enceinte. Là. Comme ça, elle non plus, elle n'aura pas besoin de s'acheter toute la tiraille. Bon, ensuite, j'ai l'acide folique, puis les pilules prénatales. Ceux-là, ils ont du fer, mais ils sont vraiment grosses, ils sont durs à avaler. Fait que c'est pour ça que je les ai quasiment pas pris, eux autres. Fait que ça, dans le fond, ça va être à donner. Puis le diclectin que j'ai, il est bon encore jusqu'au mois d'avril. Mais là, je sais pas, là, j'ai-tu le droit de donner ça? Non, parce que c'est sous prescription. Fait que je pense que je vais les rapporter à la pharmacie. Ensuite, un gros attirail de crème pour les hémorroïdes. L'accouchement était difficile, mais là, c'est réglé déjà, là. Ça n'a pas été trop long. Fait que ben, je pense que je vais les garder tout d'un coup. Là. De toute façon, je me vois mal donner ça à quelqu'un, mais sans c'est assez. Je sais pas. En tout cas, je vais garder dans ma pharmacie quand même. Bon, finalement, j'ai comme ramassé cet étage-là sans tout vous montrer parce que ça aurait été vraiment long. Ce côté-là, dans le fond, il y a toutes les crèmes hydratantes que je bougerai pas vraiment rien de là. Là. Fait qu'en avant, il y a les crèmes hydratantes de bébé. Puis en arrière, il y a toutes mes crèmes hydratantes à moi. En arrière, j'ai pas des pilules prénatales, c'est juste des multivitamines normales, là, avec du Vicks. En avant, il y a le parfum à mon chum, mon parfum à moi, qui est dans un jardin à la mûre sauvage. Des petites lingettes démaquillantes que j'utilise rarement.
Là, il y a beaucoup de déodorants. Hein. Je suis du genre à faire des réserves, là. J'en ai vraiment beaucoup. Il y a ça à mon chum aussi. Puis en arrière, j'ai genre le dissolvant pour le vernis à ongles, puis de l'alcool à friction. Fait que c'est tout pour cet âge-là. Bon, ben j'ai arrêté mon ménage parce que pendant que j'étais en train de faire mon ménage, mon chum m'a envoyé un lien qui disait que finalement Noël est annulé. Fait que je l'ai envoyé à ma grand-mère. T'sais, l'événement que t'attends toute l'année. Moi, c'est vraiment le Noël, le 24, en fait, chez ma grand-mère. J'attends ça impatiemment toute l'année. J'ai hâte au 24 toute l'année. Puis là, c'est annulé. Ma grand-mère, en plus, était toute excitée. Elle faisait sa cuisine. Elle a fait son ragoût de boulettes, puis ses pâtes à la viande. Puis, tu sais, dans le fond, elle avait tout fait sa préparation. Là, fait que ça s'annonce vraiment un Noël triste. On va quand même se faire un zoom, là, c'est sûr, là, pour se voir, là, mais en tout cas, je suis juste déçue. On dirait que j'ai plus rien le goût de faire de la journée avec cette nouvelle-là. Ouais, c'est ça, j'ai plus rien le goût de faire. Fait qu'en tout cas, si jamais vous avez des idées pour rendre ce Noël plus intéressant, moins triste. Je pense que ça prend juste un temps pour digérer la nouvelle, là, mais dans le fond, je sais que c'est temporaire, faut qu'on se dise ça. Puis si Noël, c'est pas le 24 ou le 25 décembre qu'on le fête, coudonc, ça sera en février si c'est en février. Fait que, c'est ça. Si vous avez des idées d'activités que vous allez faire seul dans le temps des fêtes pour vous faire plaisir, nous, en tout cas, c'est clair que si on reste seul à la maison, on va aller chercher des jeux, des choses pour s'amuser, des bonnes choses à manger aussi, pour manger nos émotions. Puis de la boisson en masse. Non, j'ai pas vu encore, hein? C'est vrai, je vous ai pas dit ça. Moi, avant, je buvais quand même pas mal. Tu sais, j'étais une bonne buveuse de vin et de cocktails. Mais depuis que j'ai accouché, j'ai pas bu encore. L'autre jour, j'ai essayé, je me suis fait un petit verre. J'avais mis juste un once de rhum dedans, puis j'ai bu deux gorgées dans le verre, puis on dirait que je le trouvais trop fort, même si j'avais mis quasiment pas de rhum. Puis en plus, avec la fatigue, puis surtout que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas bu, là, je sais que quand que je vais boire, ça va taper vraiment vite, je vais tomber saoul vraiment vite. Fait qu'on dirait que ça me le tente pas de boire seul chez nous avec mon chum, là, puis avoir un feeling tout seul avant d'aller me coucher, ça, c'est pas vraiment le fun, là. Moi, j'aime ça. Boire socialement, boire avec des amis, justement, en jouant à des jeux. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Je sais pas où est-ce que je partais, est-ce que je partais avec ça, là, mais ah ouais, c'est ça. Pour se faire du fun dans le temps des fêtes, moi, ouais, peut-être que là, je vais prendre un verre tout seul avec mon chum d'abord. Bon, ben depuis tout à l'heure, je parle avec des amis puis de la famille sur Messenger, puis on chiale, puis on se dit comment qu'on est déçu, puis comment est-ce qu'on va tomber en dépression. Fait que je pense que ça vaut pas la peine que je continue cette vidéo-là pour aujourd'hui parce que ça, y a pas grand-chose qui va sortir d'intéressant. Ben. Fait qu'on se revoit dans un prochain vlog. Bye bye.